En prélude des élections de décembre 2023, la gouverneure honoraire de la province du Kasaï-Oriental, Jeannette Longa-Moussamba, a procédé au dépôt des dossiers de candidature à la députation nationale des cadres du parti politique Action pour la rupture et le développement Ardevancyclo, parti cher à son Excellence Jacques Kiaboula Katwe. C'était au bureau de réception et traitement des candidatures à la commission électorale nationale indépendante Mbujimayi. C'était le samedi 15 juillet 2023. Après avoir rempli toutes les formalités, Madame Jeannette Longa-Moussamba a dit devant les hommes de médias que son parti politique est déterminé d'aller aux élections de décembre 2023 afin d'accorder un second mandat au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Profitant de l'occasion, il a demandé à la population est-kassaïenne de ne pas faire confiance à n'importe quel candidat, mais faire un bon choix afin d'aider le chef de l'État à développer notre pays, la République démocratique du Congo. Ben, je viens de déposer ce vœu, les élections sont bonnes. Hein. Moi, je suis, comme vous le savez, j'ai dirigé la province. Aujourd'hui, je suis avec son Excellence Jacques Kiaboula, aujourd'hui président de notre parti politique ARDM. Nous allons là-bas, c'est pour gagner aux élections, donner le deuxième mandat au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. ARDM, c'est-à-dire Action pour la rupture et le développement. Au nom de notre parti, avec Aligné, donc ARDM et Aligné. La population de notre province, hein, ils étaient les premiers à m'appeler. Non, cette fois-ci, c'est encore vous. Venez, nous allons vous soutenir. Mmh. J'ai travaillé pour ma province, vous-même, vous le savez. Et quand je vais aller, c'est pour encore faire plus. Donc, je vis la souffrance qu'a la province. Pas seulement notre province, hein, le pays. Donc, nous devons nous souder avec le chef de l'État afin de transformer ce pays comme lui-même l'a toujours dit. Bientôt, là, ça sera en Allemagne ou Suisse. Donc, tout celui qui aime ce pays, un Congolais comme on le dit aujourd'hui, de père et de mère, nous devons aider le chef de l'État pour aller de l'avant, c'est-à-dire qu'il doit gagner le mandat. En décembre 2023, on lui accorde encore 5 ans et nous, les députés, nous allons pouvoir travailler. Cette fois-ci, il faut mettre du sérieux dans ce pays. Il y a eu trop de laisser aller, mais il faut essayer de s'organiser pour montrer que nous sommes des vrais Congolais et nous avons besoin de ce pays, nous voulons changer ce pays. Vous savez que l'Afrique entière, même les Occidentaux, ils ne regardent que le pays. Aujourd'hui, on est en train de combattre, on est en train de faire du mal à ce pays parce que nous avons trouvé un Congolais chef de l'État. Il se bat. Le pays qui nous entoure, nos voisins, et tous, ils veulent tirer les draps de leur côté. Donc, nous sommes là pour aider le chef de l'État et nous allons gagner. Chef Ena, il a sacrifié ce pays, il a laissé ce pays entre les mains du Seigneur et le Congolais ne nous laissera pas. Nous sommes avec lui et nous allons gagner. Un message que je peux donner pour ma province, Kasaï-Oriental. Beaucoup sont là. Beaucoup sont là. Ils parlent tous du chef de l'État. Maintenant, il faut voir si réellement ils sont derrière le chef de l'État. Donc, c'est à nous de choisir qui est derrière le chef et qui ne l'est pas. Je ne peux pas citer ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Combien de pots de bananes on est en train de jeter devant le chef de l'État? Eh bien, c'est à nous de choisir cette fois-ci. Qui est celui-là avec qui on va marcher? Donc, c'est à nous de faire attention sur celle-là, tout ce monde qui vient aujourd'hui pour dire moi j'ai le nom de chef de l'État. Ce n'est pas dit que tout le monde est derrière le chef de l'État. Je ne sais pas si vous avez un peu de temps. Mais il y a un peu de chef de l'État. Même moi. Tabala, je suis en train de faire un peu de temps.
Bien avant le départ pour la Commission nationale électorale indépendante, CENI, Madame Longa Moussomba s'est entretenue avec quelques membres de son parti politique dans sa résidence.